Hey hey hey! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Isaac Afterbirth! Birth! Motherfucker! Épisode 63! Et je suis tout seul cette fois! Et du coup, bah, on va faire un bon vieux random bien gras comme on les aime. Let's go! Et ça tombe sur. Azazel! Bah, franchement. Oui, ça m'arrange, oui. Oh, ça m'arrange et je suis pas contre. Voilà la seed de ce run. Ah bah tiens, vous savez quoi? Depuis que j'ai Afterbirth, la Dark Room a disparu de la fiche d'Azazel. Du coup, c'est l'objectif de ce jour. La Dark Room avec Azazel. Franchement, ouais, autant le prendre, même si ça sert à rien. Ça devrait pas poser problème. Franchement, c'est Azazel, quoi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps. C'est quoi déjà ce Watch Battery? Je sais pas trop ce que ça fait, mais dans le doute, ça doit être plus utile que l'autre. Donc, ouais, on va garder ça. Allez, hop. Ah, c'est vrai que Azazel, c'est bien, même d'avoir un petit Brimstone, qu'est-ce que c'est bien, putain. C'est jouissif. Oh, dommage. Si seulement j'avais eu un item. Cela, des batteries, il y en a plein. Ah, c'est peut-être ça le trinket que j'ai. C'est peut-être plus de batteries, en fait. Tout simplement. Oh. Alors attends, on verra ça après le boss. Je vais juste finir l'étage. Parce que bon, hein, c'est le premier, c'est vite fait. Autant le faire parce que s'il y a une petite curse room, truc du genre, non il n'y en a pas, mais c'est pas grave. On peut aussi avoir des trucs bien sans les curse rooms. Putain, la vache, mais c'est ça le trinket, hein, sans déconner, ça doit être ça. Faudrait que je vérifie. Et forcément que j'allais me prendre une flamme, hein. Je veux dire, c'est moi, quoi. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un cœur gris là-dedans, avec ma chance légendaire? Non. Bon. Monstro! Salut, dude! Tu vas mourir, mais d'une force. Ah, presque. Et voilà. Allez, HP up, HP up, HP up. Ce n'est pas HPE. Par contre, j'ai eu un cœur gris. Est-ce que ça vaut le coup d'aller quand même voir ce que Satan nous propose? Ouais, remarque, il peut y avoir des cœurs gris dans sa salle, à lui. Des cœurs noirs, je veux dire. Joker. Oh putain, il y en a en plus. Bon. Bah écoutez, hein. Death Touch. Yeah. Donc, effectivement, l'effet... L'effet des faux ne marche pas avec Azazel, mais damage up, putain de merde. C'est putain de bon tout ça. Et j'ai toujours The Fool, donc on va carrément aller là-dedans. Oh yeah! Oh, tu le sens le run cheaté qui arrive là. J'ai pas de clé par contre. Je viens de réaliser. Puis j'ai eu un range up, c'est vrai, c'est pas mal en fait. Parce que ça marche avec Azazel. Ça se voit pas vraiment, mais il y a eu un range up. Alors c'est bien. Mais j'aimerais bien une clé maintenant. Une petite clé, histoire de dire. Même, ah bah voilà. Même une clé dorée, j'allais dire, mais... Bon, une clé tout court, c'est bien aussi, hein. Ah, merde. Alors par contre, je me vois plus charger le Brimstone, ça c'est le petit défaut, mais... Mais honnêtement... Ouais. Ouais, on peut dire que ça valait le coup. On va juste espérer que les bombes seront utiles dans ce run. Alors attendez, deux secondes, je vais juste voir qui c'est qui me parle sur Skype. Non, ça va, c'est bon. Non, parce que j'attends un truc important. Oh la vache! Allez! Alors, je mets trois plombes à charger maintenant. Mais quand je tire, ça fait ça! Alors, ça se voit pas vraiment, mais il y en a quatre. Ouais. Ça va être drôle. Alors, on dirait pas, mais tous les boss, je vais les one-shot, donc ça pose plus de problème. Et ben, j'attends plus que du tears up maintenant. Merde, putain. J'avais même pas fini de charger. Oh la vache! J'espère que j'ai pas fait une connerie, hein. Et attends, ça est quoi? On va carrément chercher la secret room. Elle doit être là. Yeah. Oh, bien. On va aller voir ce qu'il y a dans le shop, parce que j'ai des bombes, hein, je veux dire. D'ailleurs, on va... Ouh. On va le buter, lui. Ouh. Bonze. Donc maintenant, mes tears peuvent me donner des pièces. Ouais. Enfin, mes tears. Mes brimstone, devrais-je dire. Bon, on va voir s'il me donne des trucs, les... Des pièces. Lock up, bien. Bon, on va quand même prendre ça, hein.
Et j'ai une moule of fortune que j'aurais dû faire d'ailleurs. Bah tiens, tant qu'à faire. J'ai rien une pièce là, autant la prendre. Et puis bah je pense qu'on se dirige tranquillou vers le boss. Voilà. Avec une clé, yeah. Little Horn, t'es mort. Alors, HP up, plus un deal. Normalement c'est la bonne formule ça. Y'a Guppy Spow. Donc on va prendre Guppy Spow et on va le garder parce qu'en fait c'est génial. Vous savez quoi, on va la popper ici, celle-là, puis on va refaire ça. Ah. La bonne partie, bon, ok. Bah voilà, on a tout vu en plus. Allez, on descend. J'ai trois clés, c'est bien. Ce run, putain, il commence super bien. Il me faut juste du tears up. Ça serait fantastique. Parce que je charge quand même un petit peu lentement le tir, là. Hein. Alors, ne pas lâcher le tir, merde. Ne pas se faire toucher non plus. En plus, je pouvais passer par là, putain, je suis vraiment trop con. Hein. Ouais. Merde. Bon, ça valait pas le coup. Bon, ça m'a pas fait tirer dans le vide, c'est bon. Tout va bien. Allez, lève-toi, toi. Toi aussi. De toute façon, je fais tellement de dégâts, là. C'est lol, quoi. Encore une batterie. Putain, mais c'est fou, ça. J'espère qu'on va trouver un truc qui fonctionne avec, là. Déjà, on va le buter de lui. Et ensuite, on va réfléchir. Voilà, comme ça. On va tenter les champis. Ah. Else up. Rétro... Oh, putain. Évidemment que c'est rétrovision. Putain de merde. C'est toujours rétrovision. Eux, ils vont être chiants. Allez, crever. Ensuite, eux, ça devrait être un peu mieux. Ouais, surtout quand il en reste plus qu'un. Allez, dégage. Challenge up. Non, merci, honnêtement, c'est bon. J'aimerais dire des cœurs, en fait. Ou l'item room, ouais, au choix. Allez. Ou brimstone tout court, hein. Ça serait bien aussi, ça, parce que là, ça serait génial, même, en fait. Ça sauverait le run. Ou alors que les pilules, ça soit tears up à l'avenir. Ouais, puis je lâche des bombes random parce qu'elles peuvent dropper des trucs, en fait, donc... En fait, mon espoir, c'est que ça drop une pilule, que ce soit tears up, ouais... Remarque, ouais, ça sera plus utile, je pense. Magic Fingers. C'est pas du tout ce que je veux. Donc ouais, le trinket que j'ai actuellement, là, ça fait en sorte que des fois, quand j'utilise une carte ou une pilule, ben, ça n'utilise pas la carte ou la pilule. Enfin, je veux dire, ça me la rend, quoi. Donc ça peut être très très cool si j'ai un else up ou un truc du genre, ou une bonne carte même, hein. Je sais pas si aller au shop, bref. J'ai des clés, par contre, ouais, le sac aide m'intéresse grave. Le cœur gris aussi, en fait. Ça dépend de ce qu'il me drop, lui, en fait. Rien. Je vais attendre un peu pour... Faut remarquer, je pourrais péter la machine. Oh, on va faire ça, il y a 450 pièces dedans, ça suffit quoi, merde. Alors par contre, j'aurai pas 15 pièces. Je fais ça dans l'espoir d'en avoir 15 après. Ah, ça c'est bon ça, non? Le cup. Le cup. Ça aurait pu marcher à l'infini, hein. C'est la force de Strinket. Il est débile quoi. Oh. Ok, t'arrives un peu trop tard toi, mais c'est pas grave. Alors j'ai eu des luck up, ça c'est génial. C'est peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Enfin ça aurait pu être tears up aussi, mais bon. C'est bien quand même. Du coup je vais finir l'étage, hein. Franchement, il me faut des pièces quoi. Il faut que je le tente. Dans les flammes. Ouais, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Après tout, du temps on en a. Bah tiens, en plus ça valait le coup. Allez, 3 pièces, 3 pièces. J'ai pas trouvé la secret room, hein. Et j'ai plus de bombes par contre. Ça va être tendu du slip, cette histoire. Maintenant, j'ai une bombe. Par contre, il y a plein d'endroits où elle peut être, là. La secret room. Ah, alors attends. Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça non plus. Infested.
et Amnesia. Super. Ça a pas trop m'aidé, ça. Et ça, c'est un cul-de-sac. D'accord. Trompez-moi des pièces. Ah, j'ai dit des pièces. Bon, putain, faut se souvenir de la map, maintenant. Ah, attends, elle peut pas être là, la Secret Room. Là non plus. À mon avis, elle est à côté du shop, en fait. C'est ça, c'est le shop. On devrait pouvoir y aller du shop, j'espère. Bon, c'est qu'elle était pas là, alors. Bon, bah, j'aurais pas... Je vais quand même aller faire le boss. On peut toujours avoir des pièces au boss, hein. Ah mais oui, parce que j'ai Head of the Keeper, on peut carrément faire des pièces. Guardi Junior. Pour prendre, on va le buter, voilà. Ouais, en fait, non. Ah. Remarque, ça, c'est cool, hein, parce que... voilà, parce que ça fait plein de trucs. Et puis, on va aller au shop... Non, remarque, j'ai plus trop besoin de cœur gris, du coup, au shop. Ouais, et puis merde. Tant pis pour le sac, c'est dommage. Ça aurait pu être marrant, mais bon. Ouais, et puis, je préfère rester en pas de cœur rouge. On va bien voir si ça paye. Deck of cards. Ça peut être très très drôle comme setup, ça. Je sens que même on va garder ça, en fait. Parce que je peux réutiliser les cartes. De toute façon, pour l'instant, la Guppy Spaw, j'en ai pas besoin. Et puis elle compte quand même pour un item de Guppy, donc... Lovers. Ça me l'a pas rendu, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai pas besoin du tout. Par contre, la carte Death qui revient, ça peut être marrant, ça. Genre là. Non, elle revient pas. Bon. Ou alors c'est que les pilules. Range down. Ah, ça c'est pas bien par contre. Ah merde. Ça avait pas chargé mon tir. Fuck. Ah, la bonne musique. Fuck. Bon, j'allais ouvrir le coffre de toute façon. Ouais, c'est bien, j'avais pas de bombe, donc c'est bien. Judgment, on verra ça plus tard, peut-être dans une salle du deal. Ça aussi, c'est bien. Alors, là, il y a le shop. Je pense qu'il faut y aller au shop, hein. Putain, mon royaume pour un tears up. The Stars. Bah, j'y suis déjà allé. On verra, on verra. Il y a pas mal de bons trucs là-dedans, dis donc. Enfin, il y a un bon truc, en fait. Bon, déjà, on va péter les deux, là. Ah, ça aurait pu dropper la Steam Sale, cette histoire. Bon, on va pas être con. On va prendre la même ski, parce que c'est super cool. On va aussi prendre ça, du coup. Bon, du coup, j'ai plus beaucoup de pièces pour mon jugement, mais c'est pas très grave. Je pense que je suis sur le chemin du boss. Non, eux, ils vont être chiants par contre. Parce qu'avec Azazel, faut vraiment s'éloigner, quoi. Ouh, la super Secret Room. Alors, ouais, mais elle va pas être pratique. Voilà pourquoi. Putain. Parce que je tire très lentement, donc c'est pas terrible. Faut juste que je bute les flammes oranges. Après, c'est bon. Je pense qu'en un passage, je peux buter les deux, là. Super. Par contre... Non, il reste un tonneau de TNT, donc c'est bon, on peut économiser une bombe. Yay. Je veux dire, il n'y a pas de petites économies, hein. Attends, on va juste péter la flamme. Parce qu'elle me fait chier, hein. Voilà, maintenant, on peut tout faire péter. Ah, quand même. Ça valait le coup, et puis lui aussi, on va le faire péter. Il donne rien, d'accord. Y avait quoi au shop? Parce que 26 pièces... j'ai de quoi acheter quelque chose, là, quand même. Ouais, rien de bien. La pilule, je sais pas... Non, je sais pas... Non, en fait, non, ça va. Bon. On va continuer par là, je pense que c'est le boss. Peut-être que j'aurai un deal. Je pense pas, mais bon, ça peut. Ça, c'est Luck Up. Super. Wow. Ah, eux aussi, ils vont être relous avec Azazel. Lui, il est mort tout seul. Je ne sais pas pourquoi, comment, qu'est-ce que...
Ouais, tu me dropperas une carte après, toi. Vous, c'est nope. C'est pas le boss encore, putain. Ah merde. Je me suis pris un truc. J'ai pas vu ce que c'était. Alors attends, il y a une carte en plus. Two of Hearts, yay! The Fool, yay! C'est pas utile ça, les mecs. Et la prochaine carte. C'est un deuxième The Fool, yay! Bon, on va garder ça. Puis on va rentrer dans le. Dans le vif du sujet, dans le boss. On va juste charger un tir avant d'y aller, puis voilà. Le boss, c'est Chad. Donc ça, c'est pas bien. Parce que ça veut dire Little Chad. Et Little Chad, c'est nul! Bon, autant le prendre. Par contre, on a un deal, ça c'est pas mal. Wow. On va réfléchir deux secondes. Parce que Mob's Knife avec Azazel, je pense pas que ce soit une super idée. Ah, ça c'est bien par contre. L'autre truc, je ne sais pas, on va voir. Judgment! Allez, donne-moi un truc. Un truc de ouf. Ah, ça peut peut-être changer mon choix, tu me diras. Bon, Bum's Knife ou pas, du coup. J'hésite, là. Oh, vous savez quoi, allez. Même si c'est pas une bonne idée, c'est pas grave. Ah, ok, d'accord. En fait, ouais, je n'ai plus Brimstone. J'ai juste Mob's Knife, mais j'en tire 4. Mais bon, je pense que je fais quand même des dégâts de malade avec ça, donc je regrette pas trop mon choix. Et puis peut-être niveau range, ça peut être que mieux, là, non? Alors, Curse of the Maze. Ça, c'est pas terrible, par contre. Ça, c'est bon. Ouh. Wow. Ouais, si, Curse Room, on va y aller quand même. Ça valait le coup. Ah, merde. La curse. J'aime. Alors, il faut qu'on trouve tout. Ben voilà, l'item room. Et que l'item room contienne... Qu'est-ce qui pourrait être bien, là? Ce serait quoi le meilleur truc possible? Je ne sais pas, écoute. Un bon truc. Genre, pas ça. Bon, c'est pas trop grave. Là-dedans, il y a quoi? Mom's Locket. C'est pas terrible. Je pense que ça peut être super bon dans un run où t'as des trucs qui vont avec. Là, non. Là, c'est l'inverse, quoi. Et pour ceux qui savent pas, ce trinket, ça fait en sorte que dès que tu ouvres un truc avec une clé, ça te, tu gagnes un cœur, en fait. Enfin, juste un cœur rouge, quoi. Juste... pas un HP up, quoi. On va mettre des bombes ici, en fait. Oh, putain! Ok, donc, en fait, non. D'accord. Bon, bah, le shop. Bon, déjà, ça, je prends. Oh, je suis mum, d'accord. Bah du coup on va prendre ça aussi. Je me demande ce que ça fait le détonateur maintenant, mais... Mais bon, passons. Je préfère garder mon truc. Puis on va aller vers en... le bas plutôt. Ok, toi t'es chiante. J'ai eu tant d'objets de mum que ça, moi. Je veux dire, j'ai eu mum's knife, ouais, c'est vrai, c'en est un. Je viens d'avoir le mum's... C'est quoi que je viens d'avoir? Mum's Purse, ouais. Et c'est quoi le troisième? Je réfléchis, hein, mais... Bah, c'est vrai, c'est quoi le troisième? Ah, Mum's Key, oui, oui, oui. Effectivement. Bon, bah, ok. Ouh. Ouh, Justice, ça peut être pas mal. Justice. Ah, dommage que ça soit pas revenu. Ça c'est quoi? The Sun, ça peut être bien ça aussi. Ça peut être bien dans la grande salle même en fait. The Sun. Voilà. Du coup j'ai la map. La Secret Room était là-bas. Bah écoute, autant y aller. Hein. En plus j'ai bombe infinie donc c'est vrai que... Oh putain mais oui j'ai bombe infinie! LOL! Sauf que j'ai Glitter Bombs infinie là. The Hermit. Ouais on va garder ça je pense. Donc ouais j'ai Glitter Bombs infinie là. Ça peut être très très drôle.
je peux avoir une autre carte Judgment. C'est mieux. Donc oui, effectivement, je pourrais m'amuser pendant des heures avec les Glitter Bombs. Bon, on va pas le faire quand même, hein, mais... on va en faire quelques-unes, histoire de dire. Ah, ça peut être bien, ça. Ouh, ça aussi. Merde. Attends, voilà, hop. Toi, tu meurs. Oui, donne-moi une carte de Magician. Yay. Et ça, c'est quoi? Et ma Temesis. Bon, c'est pas grave. Ça, c'était The Hermit. Pas terrible. On va garder Jugement, hein. C'est vachement mieux, quand même. Y a pas eu un seul Rocher X de tout le run, hein, je réalise. Oh. Bon, puis je sais pas trop si on va profiter des glitters. Enfin, je veux dire, il faudrait le faire, mais... mais bon, je sais pas. Ah, meurs. Mourez tous. Ouh, le cup. Super, remarque, on va péter tous les crânes, voilà ce qu'on va faire. Avec une bombe par crâne. Hiérophante. The Hierophant. Super. Non, franchement, là, y a du bon, quoi. Ah, ça, c'est pas terrible. Ouh, bien. Full life. Cool. Toi, t'es mort. Toi aussi. Et toi aussi. On va aussi péter les rochers, des fois qu'il y a une trappe, hein. Ouh. Ouh, la bonne grosse salle de merde. Bon, ça va. Ok. Oula. Non, mais c'est bon, pas de problème. Je dirais pas trop de problème. Je veux dire, j'ai 4 Mums Knives qui font des dégâts de malade. La vache. Alors attends, je vais voir s'il n'y a pas la super. Ah bah non, elle est pas là. Elle peut être là. Elle pouvait. Non, pas là. Elle pouvait être là. Shit, hey. Elle peut pas être là. Elle peut être là. Ah, la voilà. Ouais, non. J'ai pas trop besoin de ça, quoi. Bon, on va prendre des cartes avec les, toutes les batteries, là. Ça, c'est marrant, quand même. Joker, bah voilà. Et l'autre, Tempérance. Tempérance, Tempérance. Alors, Tempérance, tu vas aller te faire foutre, hein. C'était quoi, ça? C'était Judgment, c'est vrai. Il faut que j'utilise à cet étage, donc... on va voir si on a un deal, déjà. Contre Brownie. Joli one shot, j'aime. Et pas de deal. Alors du coup on a une seringue. Ouais bah écoute. Pourquoi pas. Ça n'a pas changé mes points de vie, donc ça c'est cool. On va utiliser Judgment pour peut-être avoir un autre item. Ah, c'est pas ce que je veux. Non, je m'en fous des HP up honnêtement. Et du coup, vu que j'ai pas eu de deal, bah... ah mais... non, j'aurais pas pu l'amener, donc ça va, c'est bon. Joker. Bon bah, Guppy, ça se discute pas, hein. Guppy scolaire, voilà. Allez, encore un truc de Guppy, ça serait fantastique. Juste, ça serait parfait, quoi. Bon. Bon, ça, on s'en fout, allez, hop. Et on descend. Direction Debs 2. Enfin, donc, Debs 2. Par contre, on a pris du temps. Ouais, on est à 21 minutes. Bon, c'est pas grave. Là-dedans, il y a quoi? Plein de pièces, la vache. Hey, Loki, s'il te plaît, tu peux mourir. Toi aussi. Next. Ah, mais non, pas next. On est que dans Debs, putain. Je me sens tellement puissant que je me crois au chest, quoi. Surtout qu'on va à la Dark Room, il faut pas oublier. Waouh. Merci, Mumsky. Pour tous ces trucs dans les coffres. Ça, c'est fait. Alors, on n'a plus les bombes infinies. C'est bien dommage. Bon, après, on a toujours des bombes, hein. Alors, on a clé infinie, par contre. Ça peut être utile. Ah, merde. Je viens de réaliser que, voilà. Vas-y, Empress. Bah, vu que j'avais pas de carte, c'est pas si mal, en fait. Mais bon, vu que je les pourris bien, déjà, les boss...
Putain, niveau clé aussi, on en a plein, c'est bon ça. Le petit cœur gris random, ça c'est cool. La carte random, ça aussi. Oh, Joker, yes. Ok, bon, super. Donc ce Joker, on le garde, vu que The Empress, honnêtement, on en a pas besoin, quoi. Cette pilule, je la connais, c'est Amnesia, d'accord, donc... Nope. Ouh. Ouh. Sexy. Guppy's Tail. Donc, en plus de tout ce délire, je suis Guppy maintenant. Justice. Tu me donnes la bombe qui me permet d'ouvrir le coffre. Le coffre contient tout plein de bons trucs. Donc je suis Guppy. Non mais c'est... Attends, j'ai Mom's Knife, Quad Shot avec Azazel et je suis Guppy quoi. Est-ce qu'on peut faire plus puissant? Sérieusement. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas encore, tu me diras, pas pour l'instant, d'accès à Mega Satan. Parce que je sens que je le one-shot lui aussi là. Je veux dire, même Hush, Enfin non, tu peux pas one-shot Hush, mais... Mais ça prendrait pas beaucoup longtemps, quoi. Death! The Sun! Ah bah, The Sun, tiens. The Sun, ça donne la map. Ah, ça m'a rendu The Sun, vous voyez? Comme quoi, des fois, ça marche aussi avec des cartes. Ouais. Donc, on va prendre le Joker. On va se barrer. On reviendra pour la pilule, parce que j'ai un doute. Ça, bah du coup, on l'ouvre. Putain! Ah mais on n'a pas vu le shop en fait. Mais non, on n'a rien vu de l'étage encore. Waouh. Lock up, super. Ah, si ça pouvait me la rendre à chaque fois. Est-ce que je la connais celle-là? Non. Tears up, oui. Bon, je suis plus grand, c'est pas grave. Oh, péter la machine. Yeah. Putain, mais ce shit total. Et ce n'est pas une site de bris, hein, mesdames, messieurs. Cette fois, c'est une site de snap, hein. Vous voyez comme quoi elles peuvent être bonnes. relativement cheaté même. Oh putain. Bon, on peut faire des trucs très marrants là. Hein. Ouais, le dead bird, bon. À défaut de mieux. Hein. On va le prendre quand même. Je veux juste utiliser. J'ai pas encore mon item de prêt. Je croyais. Dead bird, ok. Donc bon, voilà, ça c'est fait. C'est Hive Mind. Ah bah c'est Hive Mind, putain. Je suis Guppy au fait. Hein. Donc là, cheater n'est plus un mot assez grand là. C'est je suis instoppable là. C'est fini quoi. Alors. Oh. 12 clubs, ah ouais. Bombe x2. C'est toujours bien ça. Surtout quand tu les as à l'infini, les bombes. Hein. Ghost Baby, autant le prendre, de toute façon. The World, bon, on va le laisser, de toute façon la map elle y est déjà là. Ah mais il y a la Secret Room en bas. Je veux dire... Merde. Je veux dire merde. Et je veux dire... Je veux dire quoi. Bah ça fait plus de bombes, écoute, c'est bien. C'est pas si mal après tout. Cette araignée était mon amie. Et je l'ai butée. Ok. Bon, bah je crois qu'on a tout vu. Ouais, on va se diriger tranquillou vers le boss. Et le boss, bah... on va lui poutrer sa race. Y a pas d'autre mot, quoi. Et je me plaignais de pas avoir de rocher X, mais honnêtement, hein, c'est pas grave, hein. Encore une carte. LOL! J'en ai même pas besoin, c'est fou, quoi. Oh là 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 là. En fait, ouais, franchement, je vais garder ma machine à cartes, juste pour espérer avoir une carte sortie de prison, quoi. Parce que là, Méga Satan, j'ai envie de me le faire, quoi. Ah, mais attends, je suis con. Il y a ça, là! Attends, c'est quoi ça? C'est The World. Vous savez quoi? Je vais aller chercher la Hiérophante. On va le faire. On peut avoir la clé d'ici. Oui, voilà. Pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, vous allez apprendre que grâce à cette salle, à force de sacrifice, hein, y a les anges qui vont se mettre à spawner et du coup, on peut avoir les clés comme ça. Par contre, faut pas trop le faire non plus.
Parce qu'au bout d'un moment, ça t'emmène à la Dark Room direct. Et oui, j'ai bien dit la Dark Room. Ah, bien. Allez, qu'il y a un ange qui spawn. Ah, une batterie, alors attendez. Magician. Bah écoute, autant le faire, puisque je vais rester dans cette salle, de toute façon. Vous savez quoi, même, je vais dropper des bombes. Il peut y avoir des cœurs gris dans ces bombes. En plus, j'ai eu pas mal de luck-up, je pense que c'est... Je pense que ça... Comment ? Je pense que ça fonctionne avec ça, quoi. Bon. Voilà, le premier ange qui spawn, il est mort. Première partie de la clé. Du coup, il y a le deuxième, direct. Ah non, pas direct. Il y a des pièces d'abord, ok, si tu veux. Magician, ok. Le deuxième ange, il est mort. Il est pas mort. Putain, il m'a eu, en plus. J'ai la clé. Alors, je sais pas si c'est bien raisonnable de continuer. Donc, on va arrêter. The World. Je m'en fous. Par contre, ce que j'aimerais bien, ça serait des cœurs, parce que du coup, j'en ai sacrifié pas mal. Stars, non. Mais bon, je me fais pas trop de soucis, hein, honnêtement. Ah oui, c'est vrai que c'est mum. Mesdames et messieurs, c'était mum. Donc on prend le négatif. Et au deal... La vache. Ok. Ok, t'as gagné le jeu, d'accord. On prend les deux, y'a pas de problème. Bon. Dark Mum, donc. Et Dead Cat. Je meurs même pas, d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Alors du coup, bah des cœurs... Il y en avait quelques-uns, quand même. Alors, il y en avait dans l'étage, c'est dommage d'ailleurs, il y en a partout dans l'étage. Mais c'est pas grave, honnêtement. Franchement, il n'y a pas de soucis à se faire. Dead Cat, d'accord, bon bah... J'ai plus de soucis, mais genre du tout, quoi. Ah putain, merde, par contre cette salle peut être chiante. Enfin non, cette salle est chiante. Attends, comment je fais là? En fait, je crois que je vais les suivre les trucs. C'est encore le mieux. Merde, j'avais juste pas calculé le caca. C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux bien sacrifier 2-3 vies juste pour trouver la bonne vie ensuite. Mais... Puis bon, j'ai Dark Bum, quoi. Ça devrait aller. Regardez le nombre de cœurs qu'il y a déjà là. Alors il m'a droppé une araignée. C'est gentil, Dark Bum, mais je veux des cœurs. Merci. C'est mieux. Alors vous savez que j'ai quand même Guppy's Tail plus Mumsky quand même. Ça va tellement bien. Plus une chier de clé en plus. Ça va juste trop bien ensemble, quoi. Ce run, il est parfait. The Lovers, bah voilà, c'est bien ça. Ça aurait pu me la rendre d'ailleurs. Ça aurait été drôle. Alors, non, du coup, hein, on va pas se resacrifier. Hein. Ça servirait pas à grand chose. Il reste un crâne. Ok. Est-ce qu'on. Non, on n'a pas le temps de faire Hush. Dommage. Bah, c'est vrai que ça a pris du temps quand même, cette histoire de sacrifice là. Oula, d'accord. C'est vrai que je suis Guppy aussi. Ah là là. Ça va être difficile de trouver un run plus puissant, hein. Franchement. Je veux dire, c'est abusé quoi. Oh mince. Oh non, je me suis fait toucher. Ah mais j'ai 99 pièces, j'avais même pas tilté encore. Et j'ai un joker, je le garde si jamais il n'y a pas de deal hein, à cet étage, hein, bah il y en aura un quand même. Je suis pas assez cheaté encore, vous voyez. Ce serait marrant qu'on tombe sur Brimstone. Hein. Remarque, on peut tomber sur des Angel Room maintenant, non? Je suis pas sûr. Non. Enfin non pour le trinket, hein, je dis... J'ai pas spécifiquement vu le message « You feel blessed ». Mais bon. Parce que ce serait marrant qu'on ait Godhead, non? Oh, plein de cœurs! Mais oui, vas-y, Dark Bum! Vous voyez, pour ceux qui se faisaient du souci, bah y'en a pas, voilà. Allez hop, toi t'es mort. Ah, c'est drôle quand même, hein?
Et ça, c'est range down. Non, merci. Ah, ça mène à rien. Et ça, c'est... Ouais, allez. Je suis le gros Azazel. Je fais plus gros que Mega Satan, à force. The Emperor. Alors, ouais, ça pourrait être marrant, mais déjà non, parce que je m'éclate, là. Et ensuite, non, parce que j'ai un Joker. Mais ça pourrait être marrant. Oh, il est tout petit, lui. Ok. Ah, ça, c'est quoi? Oh, c'est small. Bon, ben, dommage. Le gigazazel aura duré une salle. Alors. Oh, la vache. Mais c'est con, parce que la dernière fois que je l'avais eu, Stringcat, là, le conti, le machin, le endless machin, là, ça le faisait vachement plus souvent. Peut-être ça a été nerfé, en fait. Ça a dû être nerfé, parce que dans mes souvenirs, ça le faisait vachement plus souvent. Mais c'est vrai que c'est cheaté, quand même, hein. Pff, un cœur blanc. Franchement, non, hein. Oh. Dénonneuil. Alors, une nouvelle carte. Hiérophante, allez. The Hierophant. Et 4 clés, ok, d'accord, non mais... Teratome. Attends, je vais bien charger le couteau à fond. Voilà. Ah, dommage. Je pensais que ça l'aurait fait en un seul passage. C'est pas très grave, hein. Alors, Mister Dolly, on va d'abord aller voir ce qu'il y a dans le deal. Pas de problème, je prends, hein. D'ailleurs, je le prends maintenant, avant de me faire toucher par une main de môme à la con. On va prendre Succubus, donc, hein. Qui est cheaté à mort. C'est indescriptible tellement c'est cheaté, là. Puis en plus, Range Up Tears Up, maintenant que j'y pense, c'est génial. Puis, ben, ouais. Bon. Oh, ce run! Ce run de malade! Il est trop bien, quoi. Allez, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Sachant que je ne reroll pas, non, c'est bon. Oh, y a pas Steven. Oh! Quelle déception. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Une salle relativement chiante dans des conditions normales. Mais bon, là-dedans. Hein. Je veux dire, même Dark Bum, j'en ai déjà plus besoin, quoi. Je suis trop cheaté, je suis trop swag, je suis trop, quoi. Il manquerait plus que mon Eagle Power. Alors, deux cartes en plus. The Fool et Death. Bah écoute, The Fool... Non, remarque, The Fool... Oh, on s'en fout, de toute façon. On s'en fout, il y a Dark Bum. Il y en aura, des cœurs gris. Je m'en fais pas du tout. Alors ça, ça fait quoi, déjà? Ah oui, Poker Chip. C'est soit... Ah, mais je peux le prendre, en plus. C'est un peu risqué, mais parce qu'il me semble que ce que ça fait, c'est que les coffres contiennent beaucoup plus de trucs, ou bien rien. Voilà. Ah, ou bien une mouche, en fait, c'est encore pire. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est mort en sortant du coffre, c'était une mouche. Du coup, si ce coffre marche pas... Ouais, voilà, ça vaut pas trop le coup. Non, vous savez quoi, on va le... Non. J'ai déjà bien assez de trucs dans les coffres, hein, c'est bon. Ok. Continuer par là. Ah, c'est vrai que le tears up sur Mom's Knife et le range up, là, ça fait du bien, hein, franchement. Cool. Allez, it leaves. Il est mort. Et il n'y a pas eu de deal. Oh. Bah, on va en faire un. Alors, je vole déjà et je tire déjà à travers les murs, donc ça, c'est pas super utile. Et le Necronomicon, ben, c'est juste de la merde, hein, donc... Ah, remarque... Ouais, on va le prendre quand même, ça, parce que... Des fois que je deviens de Léviathan, mais en fait, non. C'est pas grave, de toute façon, rien à foutre. Et je vous rappelle qu'on va à Sheol, parce qu'on va à la Dark Room. Alors... Donc Sheol, hein, sachant que Satan, ça va être une grosse blague. J'ai encore un Joker! Mais je viens de tilter! Oh, Krampus, tu ruines tout le fun! Joker? Ah, Two of Spades. 72 clés, mince alors. Head of Krampus, on va la prendre. On va faire ça avec. Et on va reprendre ça, parce que honnêtement, le deck of cards, ça va bien avec mon run. Quoi. Après, on va les tuer en fait.
ce sera plus simple. Tempérance, Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Et Tempérance, d'ailleurs. Merde. Évidemment, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah. J'ai tout ce qu'il me faut, là. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, j'ai plus de Joker, malheureusement. On peut peut-être en avoir encore un. Putain, la vache. Oh, c'est chaud. Wow. Allez, Dark Bum. Allez, Dark Bum. Allez. Yeah. Double drop. Slot. Lol. Tempérance. Décidément, Tempérance, hein. Oh, j'ai propulsé Dark Bum sur le cœur. Et une deuxième Tempérance, allez. On verra ça après la batterie, du coup. On va la rentabiliser à fond. On va l'optimiser. Là, y'a rien, d'accord. Fistula. C'est très lol, tout ça. Attendez, y'a une mouche qui m'entoure. En vrai, je veux dire. Ah, Emperor, pourquoi pas? On peut skipper chez Hall. Rules Card, allez, vous êtes prêts? The Dark Market lies under your feet. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah on lâche une caisse, on peut même le refaire. Yay. Bon, bah vous savez quoi, on va skip chez Hall, hein, du coup. Hein. Satan! La petite bombe que j'ai mal placée, mais honnêtement, c'est pas grave. Allez, The Fallen, c'est fait. Phase 1 de Satan, c'est fait. Et après, vous croyez que je vais avoir du mal contre le méga Satan? Je viens de one shot le premier, quoi. Et en plus, il me drop juste assez, bras, hein, cœur gris. Bon, ben, du coup, Kassos, hein. Direction la Dark Room. La motherfucking Dark Room, et en plus j'ai la clé. Yeah. Alors, une méga bombe. Pas terrible. Des trucs pas terribles. Toujours pas terrible. Et pas terrible du tout, d'accord. Bon, bah cool. Allez, let's go pour le 100% de la Dark Room. Comme on en a jamais vu. Ah ouais, parce que là, 100%, hein. Un run comme ça, tu le fais durer. Ça marche, ça? Juste le prendre pour la curiosité de la chose. Non, ça ne marche pas. Ça marche pas, mais c'est un tears up, donc c'est bien, en fait. Il faut le prendre quand même. Avec Mom's Knife. En même temps, qu'est-ce que tu voulais que ça fasse avec Mom's Knife? Je veux dire, le couteau qui reste en place, c'est pas terrible, hein. Putain, en plus, on va avoir des coffres tout le temps, quoi. Allez, Box of Spiders. It's a Box of Spiders. Spiders. Alors, par là, peut-être. Il y a des Little Horn, ouais. Je veux dire... Ouh, Dead Eye. Damage up. Enfin, je sais pas si ça se verra pas avec Mom's Knife, mais... Non, ça se verra pas du tout, de toute façon. Oh, pas de coffre, je suis déçu. Two of Clubs, lol. La vache. Ah, attends, Dark Bum. Non. Ah si, 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 si. Pardon, excuse-moi de t'avoir... d'avoir dit non, Dark Bum, mais en fait si, tu es génial. C'est vrai qu'il a un peu porté le run, hein, à partir du Dead Cat, là. Allez, dégage, toi. Personne ne t'aime. Mister Boom. Désolé, mais non. Il y a des items qui sont encore trop pourris, là. Tout comme ces Polycéphanus. Je verrai si j'en ai besoin. Le Rosary, bon. Hein. Super Greed. Et Greed. Et un cœur. Yay. Le Little Horn, rien à foutre. Ah. Oh, le Dévin. Oh, le Dévin. La carte, la carte, la carte. Ah. Oh. Ouh. Waouh. The World, bien, parfait.
Au moins on sait où on va. Et on ira au boss à la fin, du coup. Du coup, on va se faire les deux petites salles qu'il y a tout en haut à droite. Faisons ça dans l'ordre, hein, maintenant qu'on le sait. Polycéphanus! Eh ben, t'es mort. Two of Hearts, encore? Putain, mais stop. Ben, ok. X-Ray Vision! Franchement, à ce stade du jeu... on va juste chercher un peu fouiller partout, farfouiller pour voir la super secret room. Parce que je peux la voir gratos là donc. Enfin, elle est peut-être là-bas. Oh là, vous êtes mort. OMG. Ok, donc on va s'éclater là. Est-ce que je peux faire ça dans le fight de Méga Satan? Ah ouais, non, attends, ouais, dès que je le bats, ça va être autre chose. Non, mais vous savez quoi, on va le faire, hein. De toute façon, ça c'est sûr. Le run, on a le temps, c'est bon, y'a pas de problème. Même lui, le one-shot, c'est un truc de fou, là. Rien dans cette salle. Quelle déception. Dans la secret room, y'a Grill. Y'a aussi Monstrous Tooth. Rien à foutre. Wow, 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 wow. Ah, dommage. J'avais presque tout esquivé. Bobby Bomb, allez. Et là-dedans... Pfff. Oh, le Yum Heart, yay. Trop cool. Alors, on va juste faire ça. Ok. Ah merde, j'ai ça depuis un moment. Oui, non, ça c'est de la merde. Enfin, enfin remarque, oui, c'est toujours mieux qu'un 2 de cœur, c'est sûr. Mais bon. Ah, il ouais, y a toujours le D20, mais bon, je l'ai déjà utilisé une fois, de toute façon, c'est bon, on l'a vu. The Adversary, tu es mort. Allez, guillotine, YOLO. Damage up, tears up, mais je suis bizarre. Bon, on va essayer The Lamb. Hein, déjà, dans un premier temps. Parce que ça va aller vite, hein, je veux dire, c'est limite réglé déjà, quoi. Et puis en fait non, c'est réglé. Voilà. Bon, The Lamb c'est fait. J'ai encore des cœurs rouges là, Dark Bum s'il te plaît. Merci. Bon par contre, on n'a pas fini, hein, évidemment. C'est bon, je fais pas le con, vous inquiétez pas. J'aimerais bien avoir la lumière. Que la lumière revienne. Voilà, parfait. Oui, ce jeu est à commande vocale en fait. Du coup, on va prendre Forget Me Now. Puis on va le faire en fait. Hein. Parce que je veux dire, je pourrais affronter deux fois Méga Satan, je pense. Mais j'ai pas envie de. Non, vous savez quoi, voilà, j'ai pas envie. Méga Satan, c'est une fois, ça montre bien la fin. Et tout ce genre de choses. Donc, Redarkroom. Est-ce que ça va être mieux la première salle? Non. Enfin, ouais, remarque, c'est mieux. Double The Haunt. C'est original. Ouais. Meurs. Il meurt aussi. Même pas un coffre. Franchement, je suis outré, quoi. Allez, dégage. Dégage aussi, voilà. Roid Rage. Ah, oh, c'est ma deuxième seringue. Ce speed-up, par contre, waouh. Robo Baby, allez. On tire des lasers maintenant. Putain, mais j'en ai tué un et l'autre il est mort quand même quoi. Téléport. Bah écoute, j'ai pas d'item donc autant le garder. Et ouais, du coup, mon deck of cards a disparu. Alors, est-ce que ça compte comme une salle finie? Non, ok. Polycéphanus. Putain, ça va vite. Hein. On se croirait dans une run basement en fait. Mais... Spider Beat, ok, pas de problème. Allez, The Haunt. Tu vas tellement mourir, mais encore plus que tout à l'heure, quoi. Le Book of Secrets. Il m'a montré rien. Je crois qu'il m'a montré le boss. Mais bon, on s'en fout du boss, on va y aller en dernier au boss. Donc on va se faire la grande salle.
contient des Dark One. Ok. Oui, d'accord. Ah merde, c'est pas du tout par là. En fait, je suis un peu décontenancé avec la guillotine, c'est assez arbre quand même. Ah, mais attends, merde. Je viens de réaliser un truc là, je crois. Bobskers, ouais. En fait, c'est parce que la bombe a pas explosé, non? Non, d'accord, je me suis baisé royalement, quoi. Vous allez fermer la porte là. Ok, donc on va espérer tomber sur la dead ski. Ah, ça fait chier, putain! Mais genre, d'où elle se ferme la porte, quoi? Pff, HP up. Oh, je voulais tuer tous les chubs en un coup. C'est vrai que j'ai aussi Midas Touch, putain. Non mais merde, laissez-moi faire Mega Satan, sérieux quoi. Juste laissez-moi ce plaisir, putain de merde, je veux la Dead Ski. Je veux pas la Steam Sale, non. La tique, certainement pas, ça sert à rien. Adversary, tu es mort, toi aussi, putain de merde. Bon, remarque, l'objectif c'était de me faire la Dark Room, hein. Donc ça c'est fait, hein. Ça fait deux fois même. Hein. Non, c'est pas très utile ça. Si je tirais des tirs, ça aurait été drôle de le prendre, mais vu que là j'ai des couteaux, c'est moins drôle. Et ça c'est quoi? Amnésia, bah non merci du coup. La Crystal Ball, c'est vachement mieux. Ça drop une carte au moins. The Sun, ok. Comme tu veux, dude. The Fallen. Oh merde. C'est vrai que j'ai Bob's Brain. Meurtre. Little Gertie. Il reste encore des trucs dans l'étage. Il y a encore un espoir. Même si je pense que c'est quand même assez c'est mal barré, disais-je. Voilà. Donc en plus je suis spun, gros damage up, et j'ai laissé une pilule derrière moi, c'est hématémésis malheureusement, enfin ça peut toujours être utile. Et la dernière salle, oh elle contient rien en plus. Ouais j'ai vu la super secrète, bon bah écoutez, putain ça fait chier, comment ça se fait? Pourquoi elle est fermée cette putain de porte de merde? D'ailleurs, elle était où? Elle était où cette porte? Elle était en bas. Je veux dire, merde! Comment ça se fait que si tu forget me now, la porte se ferme, quoi? C'est dégueulasse. Je me plaindrai, quoi. Laissez-moi passer! Remarque, ça peut peut-être dropper des trucs, ça, non? On va tester avec quelques bombes, hein, juste... Voilà, passer sur un autre onglet, je vous dirai si... voilà. Hein. Oh bah, ça drop des pilules, ça peut dropper des cartes aussi, peut-être, non? Ça doit même pouvoir dropper des bombes dorées, vous savez quoi. Je sais pas trop ce que j'espère, là, mais... Ah, remarque, ça peut dropper des batteries. Je veux dire, ça serait... c'est pas le plus rare, quoi. Enfin, je veux dire... Ça peut arriver, quoi, je veux dire. Au moins une, ouais, voilà. Non, parce que si on peut avoir une carte avec ça... The Hermit, ça va pas nous aider. Ça non plus. Ça peut... Ah, voilà. Alors, batterie... Cœur gris, malheureusement. J'ai trop de cœur gris, putain, aidez-moi, quoi. Ah, si seulement j'avais eu Docteur Fœtus, en fait. Ouh, une rune. Berkano. Yeah. Bon, j'essaye encore. En fait, je crois que je vais vider mes bombes, hein.
Je veux dire, j'essaye, ça a pas pris tant de temps que ça pour arriver à la moitié, donc... Du coup, la salle, elle va être noire, hein. On peut dire que c'est la Dark Room, hein. Lock up. C'est bien, ça. Ça c'est un autre Lemon Party. Il y avait pas une autre pilule? Si, elle est là. Range down! Yay! Allez, il me reste 24 bombes pour ceux qui ne suivent plus. Je vous en veux pas, hein, notez. Enfin, si, un peu quand même. Remarque, ça m'a droppé des bombes en plus, donc ça allonge un peu le truc. Allez, juste le dernier petit espoir qu'il nous faut là. Tempérance! Remarque, attends, il y a encore des bombes là. On va changer de salle juste, pour le confort visuel de la chose. Il y a une autre tempérance, il y a aussi une batterie. Carte Lovers. Super. Donc tempérance, on le refait. J'ai foncé dedans, d'accord. Mais merde! Ça c'est quoi? C'est Luck Up. Ok. Ah, ah, ah! Attends, c'est quoi, ça? Two of Spades! Ah! On y avait tous cru! Ah! La dernière bombe, peut-être? Alors, reste-t-il des bombes dans l'étage? Eh bien, non. Malheureusement, non. Du coup, ben, au moins, on le saura pour la prochaine fois! Forget Me Now! Avec Mega Satan, c'est pas compatible. Bon. Allez, The Lamb, tu dégages. Voilà, c'est bon, c'est fait. Au revoir. Putain. Serait cheaté, quoi. Allez, hop, c'est fini. On peut plus rien faire, là, je veux dire. J'ai tout fait, j'ai utilisé plus de 100 bombes et j'ai... Mais enfin, en tout cas, ce run était quand même bien putain de fun, hein, je veux dire. On a été cheaté, mais dès le début, et ça, c'est bien, quoi, voilà. Donc, eh ben, c'est la fin du run, fin de l'épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. On fera certainement encore un random, je pense. Et puis voilà, donc, salut à tous, portez-vous bien, et joyeux Noël, bitches.